Le sauvetage de l'économie française, j'ai envie de dire le sauvetage nécessaire évidemment de notre économie, va coûter des dizaines et voire même des centaines de milliards d'euros. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à toutes et à tous. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion, merci d'être là avec nous. Le sujet, il est en deux temps, j'ai envie de dire. On se pose la question, il y a eu ces nombreuses dénégations du gouvernement, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, le Premier ministre, pour dire que les impôts, non, n'augmenteront pas une fois la pandémie terminée. Mais d'abord, j'ai envie de dire, juste sur la facture, parce que on se posera la question de savoir qui éventuellement pourra la payer un jour ou l'autre cette addition. Mais oui, bien sûr. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt, c'est pas un peu inopportun, alors que des centaines de Français, encore 600 hier, meurent de se poser la question de savoir combien tout ça va nous coûter, honnêtement. Non ? Non, parce qu'il ne faut pas opposer la question sanitaire et la question économique, allons ensemble, et c'est pas parce qu'on pense l'avenir le lendemain qu'on n'est pas non plus en empathie avec cette terrible épidémie, cette pandémie qui frappe la France, l'Europe et le monde entier. Mais il est évident cette crise va apporter une facture absolument colossale parce qu'elle ne touche pas que la France, elle touche tout le monde, absolument tout le monde, avec un effet ping-pong, si je puis dire, entre elle a démarré en Asie et avant qu'elle arrive en Europe, on en a déjà senti les conséquences économiques. Et puis voilà, là, ça arrive en Europe, on est probablement au pic en ce moment, elle va encore monter aux États-Unis, puis l'Afrique suivra derrière. Donc il y aura des conséquences économiques qui seront également très importantes. Il y aura des pertes en vie humaine, et c'est absolument dramatique. Il y aura aussi des conséquences économiques qui toucheront, qui impacteront beaucoup de monde, beaucoup de Français. Donc on peut tout à fait parler de ces questions, il n'y a pas de problème. Ok, et donc la facture, alors si on commence un petit peu à regarder, même si elle est amenée à bouger tous les jours, on était parti sur un plan de soutien de 45 milliards, mais on sent que déjà il est dépassé au gré des annonces, j'ai vu la ministre du Travail dire que le chômage partiel coûterait 20 milliards, je crois que c'est la moitié qui a été budgétée, il y a eu les annonces du président sur la recherche, 5 milliards, pour les achats de médicaments, 4 milliards, on sera nettement plus haut au final. Un plan start-up, 4 milliards, on sera bien évidemment beaucoup, beaucoup plus haut. On sait qu'on est d'ores et déjà à 11 milliards d'euros sur le chômage partiel, on va être à plus de 2 milliards pardon, sur le fonds de solidarité qui a été mis en place pour les indépendants. Et la facture va encore beaucoup, beaucoup augmenter. Le premier plan de 45 milliards, finalement, il y avait assez peu de dépenses nouvelles 13 milliards en réalité, puisque le reste, bien n'était que des reports de charges fiscales sur le mois de mars et le mois d'avril. Tout ça est reporté au mois de juin. On peut imaginer que sur la trentaine de milliards de reports de charges, une partie sera effacée, car beaucoup d'entreprises ne pourront pas les payer au mois de juin. L'activité va reprendre très lentement, très doucement. La crise sera lente, sera longue et difficile, martèle quasiment quotidiennement Bruno Le Maire. Et donc, la facture, elle va exploser. On n'a évidemment pas le chiffre final pour l'instant. On estime que Il y a quand même beaucoup d'estimations qui ont circulé. Raphaël, je crois que c'est Éric Woerth qui parlait de plus de 100 milliards d'euros. Il était ministre du Budget, il est président de la Commission des Finances. Je pense qu'on peut effectivement facilement penser que la crise coûtera 100 milliards. On estime que... Vous incluez le plan de relance dedans ou pas ? Ça, c'est compliqué à dire parce qu'on ne sait pas encore quelle sera la répartition entre la relance purement française et la relance européenne qui est en discussion actuellement. Là, d'ailleurs, l'Eurogroupe, la réunion des ministres des Finances de la zone euro a terminé ce matin très tôt après 16 heures de discussion et a clôturé sur un échec. Les ministres des Finances n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la réponse économique commune à apporter face à la crise. Alors, ils se réuniront à nouveau demain pour voir si on peut les activer. Mais si on revient au coût lui-même de cette crise, effectivement, on sera très certainement au-delà des 100 milliards. Si on prend très simplement ce qu'en font les économistes en général, quand on connaît une crise, c'est qu'ils se rapportent à la crise précédente, c'est celle qu'on connaît. Si on prend l'impact de la crise de 2008, par exemple, sur l'économie, vous avez un spécialiste des finances publiques, François Eckhall, qui a pris un choc similaire en sachant que cette crise, la crise du coronavirus, sera probablement
plus puissante, supérieure à celle de la crise des subprimes de 2008. Mais si on prend le même choc que la crise de 2008, il a calculé, on devrait arriver en 2024 à environ 115 points de dette, Donc 15 points 115% de plus, de 15 points PIB. de plus qu'aujourd'hui. C'est 430 milliards d'euros de plus qu'aujourd'hui. 430 milliards si on cumule jusqu'en 2024. Et cette dette, il faudra Oui, mais bien attendez, l'épargner, hé, ce qui ne veut Raphaël, pas il y aura dire le une retour autre. de la croissance d'ici là qui fera rentrer de l'argent dans les caisses. Il ne faut pas voir ça non plus instantanément seulement, Alors, non? c'est une question, effectivement. Quelle croissance va-t-on observer après cette crise? Alors, vous avez tout l'alphabet qui passe chez les économistes. Vous avez la croissance en V. Ça serait le meilleur des scénarios, c'est-à-dire qu'on a un arrêt brutal de l'activité, mais qui reprend aussi vite derrière, car effectivement, il y a des effets de rattrapage sur l'économie. Ce qu'on n'a pas consommé au mois de mars, avril et, disons, mai, si le confinement dure encore jusqu'au mois de mai, eh bien, on le consomme sur la seconde moitié de l'économie. Ça, c'est le scénario plutôt optimiste, je pourrais dire, et de moins en moins de personnes y croient. Vous avez la reprise en U, c'est-à-dire que ça plonge et puis ça stagne à un moment avant de repartir un peu plus doucement. On est plutôt sur ce scénario du côté des économistes aujourd'hui. Et puis vous avez un scénario plus pessimiste qu'on appelle en W, c'est-à-dire qu'il y a le risque d'une deuxième vague à la rentrée, une deuxième vague d'épidémie qui ferait que à peine la croissance reprendrait, qu'on risquerait de replonger à l'automne prochain. Et là, ça serait très difficile. Vous avez enfin la reprise en L. N'est pas une reprise, qui est malheureusement un effondrement de l'économie qui ne repart pas derrière parce que les conséquences sont bien trop Et en importantes. fonction de la lettre, évidemment, le plan de sauvetage global, la facture globale ne Ne sera sera pas la pas même. Mais on la sera même, au-delà, quoi qu'il en évidemment. soit, au-delà de 100 milliards, ça on l'a compris. Après, on revient au sujet, parce que c'était quand même le point de départ, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'il y aura inévitablement des hausses d'impôts pour payer cette facture? On a quand même Bruno Le Maire, Édouard Philippe, qui nous dit que non, voilà, ça serait la pire des choses, il a dit, le Premier ministre, que d'augmenter les impôts. On ne relance pas une économie en augmentant les impôts. Le message, c'est clair et martelé depuis 10 jours par le Eh bien, il n'y a gouvernement. pas de sujet C'est la alors. preuve Merci que la Raphaël, au question revoir. monte d'abord. Alors, je vais nuancer un tout petit peu le propos de l'exécutif. Tout est une question de temporalité en réalité. On a tiré les leçons de la crise de 2008. Nicolas Sarkozy, dès 2011, avait très très fortement augmenté les impôts. François Hollande en avait remis deux couches supplémentaires en 2012 et 2013, ça avait tué la reprise économique en France très clairement. Là où les Allemands avaient choisi de ne pas augmenter les impôts, de faire un effort sur les dépenses, et étaient repartis beaucoup plus fort, beaucoup plus tôt. Il n'est donc pas question en ce moment au gouvernement de préparer des augmentations d'impôts, par exemple pour la prochaine loi de finances en 2021, c'est une évidence, et le gouvernement assure qu'il maintiendra ses baisses d'impôts. Il y a deux gros sujets sur la table, bien sûr, le rétablissement de l'ISF et d'une fiscalité un peu plus forte sur le capital, grosso modo augmenter le taux du prélèvement forfaitaire unique hein, sur les revenus du capital, ça pourrait rapporter 3 milliards. Et puis vous avez aussi la baisse à venir de la taxe d'habitation Pour les pour 20% des 20% ménages les des plus aisés. ménages les Est-ce plus qu'elle a aisés. du Ça, plomb dans l'aile, c'est 6 à Raphaël? 7 milliards. Il me semble difficile de la maintenir en tant que telle. Le gouvernement, à demi-mot, Bruno Le Maire a été interrogé lundi sur la question précise. Il n'a pas cité la taxe d'habitation. Il a dit que la politique fiscale du gouvernement était maintenue. Bon, sans oser dire clairement, on baissera la taxe d'habitation pour tout le monde. Il y a un sujet constitutionnel. Le Conseil constitutionnel avait indiqué qu'on ne pouvait pas baisser la taxe d'habitation pour 80% des ménages et pas pour les 20% les plus aisés. Ça entraînait une rupture d'égalité devant l'impôt. Mais ça, le gouvernement peut le contester. C'est un argument juridique. Et cette baisse qui était attendue en 2021, 2022 et 2023, c'est quand même 7 milliards d'euros. Ce ne sera pas rien. Si je reviens sur ces questions de temporalité, il n'y aura pas de hausse d'impôts, c'est sûr, sur les 2, 3 prochaines années. Le temps que la croissance revienne et revienne de manière un peu solide, si je puis dire. Donc on laissera filer la dette. Donc ce sera de la dette. Ça, ce sera très clairement de la dette. Et là, l'Europe va nous aider beaucoup. Le plan de 750 milliards d'euros qui a été mis en place par la BCE, c'est à peu près 5,75% du PIB européen.
Ça va être à peu près le niveau des dettes des pays cette année. On sera entre 4 et 6% de déficit, pardon, cette année dans les pays de la zone euro. Cette dette, elle va être effacée par la Banque Centrale Européenne. On peut dire merci à l'Europe et merci à l'euro pour cela. Le problème, c'est que les plans de relance qui vont être mis en place à la suite de cette crise sanitaire pour relancer Seront l'économie, au-delà des eh bien, montants ces engagés par la dépenses BCE. seront, bien sûr, et seront des dépenses surtout structurelles. La BCE, elle va éponger les dépenses one shot, si je puis dire, les dépenses les mesures d'urgence qu'on va mettre en place pour la crise sanitaire et les dépenses pour mettre l'économie sous cloche. Ça, ce sont des dépenses ponctuelles. Le plan de relance qui va arriver en France, il va très certainement engager des économies, des dépenses, pardon, pérennes, des dépenses structurelles. Ça, l'Europe ne l'effacera pas. Et il n'est pas non plus dit que la Commission européenne accepte un dérapage complet de ces dépenses structurelles. Pour l'instant, le pacte de stabilité qui contraint les États à avoir un déficit inférieur à 3% Ouais, a à voler été en mis entre éclats. parenthèses. C'est tout à fait normal. On aura des précisions supplémentaires au mois de mai, au mois de juin de la Commission sur l'avenir de ce pacte de stabilité, car il n'est pas sûr que l'ensemble des États membres acceptent que ce soit free lunch, quoi, hein, qu'on puisse y aller En tout cas, Raphaël, ce que je et retiens, parce exploser les qu'il faut qu'on se compteurs. quitte là-dessus, ce que je retiens, c'est que, y a, selon vous, si on comprend bien, si on lit entre les lignes de la parole gouvernementale, pas de hausse d'impôts Pas à sur les court deux, terme. trois prochaines années, même si de manière Voilà. ciblée, on peut imaginer qu'il y en a les plus aisés pourraient quand même contribuer un peu plus. Sur la taxe d'habitation, on peut imaginer un report peut-être de la baisse de la taxe d'habitation pour les plus Ouais. aisés. Et il est évident que le débat sur l'ISF et la flat tax reviendra dans la prochaine loi de finances. La France Insoumise est d'ores et déjà en train de faire circuler une pétition pour rétablir l'ISF, l'impôt Ça sur la voudrait dire, et fortune. Raphaël, ça voudrait dire démanteler ce qui a été fait en début de mandat, hein. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Nicolas Sarkozy en 2007, qui a dû supprimer le bouclier fiscal et augmenter très fortement les impôts en fin de mandat, alors qu'il les avait baissés Bouclier sensiblement fiscal qui en ne début coûtait de pas mandat. aussi cher que la suppression de l'ISF, la transformation de l'ISF ou Absolument, de la flat tax. Hein. absolument. Mais au-delà du bouclier fiscal, il avait fortement augmenté les impôts sur les entreprises et les plus aisées. C'est ce qu'il est possible, encore une fois, pas dès 2021, je ne pense pas, mais en 2022 ou 2023, on pourrait s'attendre à des hausses d'impôts. Il n'y a pas d'argent magique. Malheureusement, il faudra bien éponger cette dette d'une Selon la manière ou formule d'une autre. consacrée. Merci beaucoup, Raphaël. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Bonne journée. À Bye. bientôt, au revoir.